3 semaines de confinement sans savoir quoi faire, m'ennuyer à mort et faire semblant que je lis un livre, me voilà devant les chiottes à réfléchir quelle idée de merde je vais avoir aujourd'hui. Bim, et là, j'ai eu cette fameuse idée quoi vous montrer pendant le confinement. Comment faire des masques à la maison. Donc, soyez prêts. Niveau odeur, je t'avertis, c'est hard. Pour le masque 1, tu auras besoin de 3 cuillères à café de huile d'olive, voire 4 si tes cheveux ils sont gros, 2 cuillères à café de sel ou de sucre, préférence c'est quand même du sucre, évitez le sel sur des cheveux colorés, et puis 2 cuillères à café de miel bien liquide. J'ai aussi ajouté le café parce qu'en fait j'ai entendu que ça colorie les cheveux. Là, je fais le masque pour les mains que je fais aussi. J'ai profité aussi de le faire au visage. Et donc là, on a besoin de 2 cuillères à café de miel, 1 cuillère de café de huile d'olive et un jaune d'œuf. Et puis, vous avez que à mélanger le tout. Passons aux lèvres. Du coup, tu as juste besoin d'une petite cuillère à café de sucre et de miel. Et c'est fini pour les lèvres. Et n'oublie pas aussi d'enlever ton élastique. Donc, nous, on doit bien le mélanger. Je suis ici, à la fenêtre, exprès pour avoir un endroit où je peux m'asseoir. Et en même temps, à côté des chiottes de mon chat, je peux te dire que ça pue la merde. Attends, pourquoi il fait jamais ce que je veux cet appareil? Donc là, pourquoi j'ai mis du café? Je pense que je l'ai déjà expliqué. Là, ça va pas du tout la couleur. Donc là, en premier temps, je prends une bonne masse, j'applique, l'appliquer dans les racines. C'est pour ça. Je sais pas du tout si le café va me faire du bien aux cheveux, j'ai aucune idée. J'avais entendu qu'il peut éventuellement colorier les cheveux. On va voir ça. J'en mets partout, ça je sais. Donc voilà, j'ai enroulé mes cheveux. Et puis, on va voir, là je vais prendre le masque 2. Et je vais l'appliquer au visage. Et je vais l'appliquer. Pas le coup parce que le coup on oublie assez souvent. Je l'ai mis. Oh, c'est un peu trop près, non? Parce que là on va parler de lèvres quand même. Attends, je le mets vraiment. Et tu vois, j'ai fait des va et des viens pour que j'enlève bien les peaux mortes parce que j'en ai beaucoup. C'est un goût extrêmement bon. Donc je laisse poser pendant 20 minutes. Donc pour les mains, le même masque qu'on a appliqué au visage, je vais la mettre partout. Et en fait, vous avez juste besoin des gants si vous avez, je sais qu'en ces derniers temps, c'est un peu les gants pour les trouver. C'est un peu catastrophe de les trouver, quoi. Donc là, moi j'ai celle-là. Vous savez, quand vous achetez les couleurs, il y a toujours ça dedans. Donc, et tout, je les laisse poser pendant 20 minutes, 15 à 20 minutes. Ah, le temps qu'on fout rien, ben... très bien.
Donc voilà, on le laisse poser comme un croustillant pendant 20 minutes. Et comme je n'ai rien à faire, ben là j'aurais du coup encore moins à faire. Petite chatte. On se retrouve après, Nico. Bon, je reviens vers vous. Alors, oui, mes cheveux, ils sont déjà secs. Et bah, écoutez, je sais pas si niveau couleur avec le café, ça fait quelque chose. Aucune idée. Mais comme vous pouvez voir, mes cheveux, ils sont très, très secs ces derniers temps à cause du blanc. Et en fait, pour ceux qui savent pas, pendant... J'applique juste mon sérum et ma crème de nuit parce qu'il est déjà 8h et voilà, comme ça c'est déjà fait. Et en fait, pour ceux qui savent pas, j'avais les cheveux hyper lents et en fait j'avais plus fait de couleur depuis des années. Et comme je les avais coupés, je me suis dit bon, ça va te faire du bien si si tu te fais une couleur quoi. J'avais envie de changer de vie, tu vois. Tu crées ta chaîne YouTube, tu vois, c'est déjà un nouveau quelque chose de nouveau, donc change avec. Mais ouais, je les ai cassés, je les ai niqués, et ouais, donc je regrette un peu que les cheveux soient comme ça. Après, ils sont pas du tout comme ça quand j'ai les lisses, hein, ça on sait tous. Là, je les ai un peu lissés avec la brosse parce que j'ai pas les cheveux non plus raides. Mais voilà, moi je pense que je vais redevenir, je vais faire marron parce que là c'est moche à fond et ouais, donc je sais pas du tout, du tout, du tout. Alors il y a des coiffeurs qui disent ne faites rien aux cheveux, ne faites rien. Ouais, c'est facile de le dire, c'est facile. Mais même comme ça, je sais pas si j'aurais fait un blond à nouveau parce que on sait très bien que les blonds c'est beaucoup de... Je savais déjà avant hein, que c'est... Faut faire beaucoup de soins. Et en plus moi j'ai des reflets rouges donc je dois souvent faire la couleur à nouveau. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je crois que là je vais me faire plutôt un petit chocolat et voilà. Mais pour l'instant je dois rester comme ça parce qu'on est confiné. En fait, je suis ici parce que bah, j'ai les enfants hein, et du coup, bah, je ne peux pas trop filmer et je me suis enfermée dans la salle de bain. Donc bref, pour ceux qui ne savent pas, j'avais dit que depuis le confinement, ma peau commence à faire du n'importe quoi. Et parce qu'en fait, j'avais l'acné hormonale et depuis un moment, j'ai réussi à canaliser, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Mais voilà, j'avais une peau nette, j'avais plus de boutons, rien du tout. Mais depuis le confinement, ben, ma peau elle est très sec, vraiment. Elle fait n'importe quoi, je commence à avoir des boutons. Alors je sais pas si c'est pas parce que on n'a pas des vitamines D, on n'a pas l'air frais. Aucune idée, la peau fait un peu n'importe quoi. Ouais, la folie vient définitivement de la famille. Et le retour de petit chat. Et le retour de petit chat. Et donc, ouais, je disais que je sais pas du tout comment c'est chez vous, mais en tout cas. Bon, tentative numéro 3. Donc, ouais, je disais, bah écoutez, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire en dessous des commentaires quelle vidéo vous aurez aimé de voir. Et laissez-moi un petit abonnez-vous parce que ça me ferait franchement plaisir. Et voilà. Donc, je vous laisse à la prochaine et au revoir.